Bonjour, je suis Sarah Kwame, étudiante en licence 3 de géographie. En effet, je faisais partie des trois filles qui avaient été détenues injustement à la Maca il y a de cela une année. Et après un an, je suis là pour vous donner de mes nouvelles, pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Ça date du 18 septembre 2017. J'étais là un matin dans ma chambre lorsque il y avait une manifestation des fessistes contre les frais annexes dans les lycées et collèges. Donc le matin, il y a la police qui est arrivée. Il y avait une bagarre, disons, entre la police et les fessistes. Ces policiers sont entrés dans la cité, ils se sont mis à casser les portes. Puis bon, ils nous ont ramassés. Et de là, nous sommes arrivés à la préfecture de police, de la préfecture de police, le palais de justice, et puis ensuite déféré à la Maca. Nous avons passé 23 jours là-bas. J'avoue que ce n'était pas facile, c'était vraiment difficile à la Maca. La vie là-bas, ce n'était pas facile. Et après 23 jours, on a été libérés sans jugement. Mais bon, l'essentiel est fait, nous sommes libérés. Peace in Campus, elle était la seule, je dirais, c'était la seule association féminine, la seule organisation féminine à nous apporter leur soutien. Elle était présente, elle a toujours été présente durant ces 23 jours. Après ces 23 jours, je ne finis pas de lui dire merci. Mais en dehors de ça, les femmes, je me demande où étaient les femmes en fait. Des jeunes filles ont été incarcérées, des jeunes étudiants ont été incarcérés. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a de grandes dames, il y a de grandes femmes. Où est-ce qu'elles étaient? Elles pouvaient apporter leur soutien. On ne vous a pas vu. On ne vous a pas vu. Et là, ça décourage en fait. Quand on a fait 23 jours en prison et qu'on y était pour rien, en fait, on se rend compte que la vie, c'est rien la vie, quoi. Aujourd'hui, tu vis, demain, tu peux te retrouver dans une situation d'injustice. Et tu vis dans un monde d'injustice que tu ne te bats pas. Tu seras tout le temps victime d'injustice, en fait. Alors, faut que chacun de nous se mette dans le combat. On ne demande pas à tout le monde de se mettre à parler, de se mettre à critiquer, mais chacun de nous doit savoir qui a sa touche à apporter. J'aimerais dire aux jeunes Africains de s'intéresser de plus en plus à l'Afrique, de développer un amour pour l'Afrique, hein, parce que généralement, les jeunes ont tendance à trop s'amuser. Et quand on parle de lutte, quand on parle de combat, ils ne sont pas intéressés. Alors je vous invite à vous intéresser, à vous mettre au travail. Nous devons redoubler de force. Nous avons du chemin. Nous devons travailler, nous devons bosser dur. La place des étudiants, ce n'est pas en prison, c'est à l'école. Tout le monde a droit à l'école. Tout le monde a droit au bonheur. Alors il ne faudrait pas qu'on prive certaines personnes de l'école. Chacun a sa place. Voilà.